tribulation. Avec 114 cas d'accident. Nous prenons 2018, de janvier à date, nous gagnons 88 morts sous un total de 131 cas d'accident. Et j'en saute dit là, nous-mêmes nous faisons appréciation chiffre et accident. Il y a des zones effectivement qui réputées accidentogènes. Vous prenez route nationale numéro 1, de Cabaret jusqu'à Mouri, nous gagnons en pile cas. Vous prenez nationale numéro 2, de Léogane jusqu'à Vialet et de Fondenègue jusqu'à Cavaillon. C'est des zones, justement, nous sommes en pile cas d'accident. Avec tout équipement, notamment DCPA, DCPR et même DDU, gagnent un ensemble d'initiatives. Depuis la dernière lettre que vous avez écrit, nous, que nous-mêmes, nous avons pris une dame était sous pied pour nous capables de réduire de façon considérable l'accident de circulation. Et Jean Honorable Assodil, s'il est bien vrai que nous avons un problème effectif et un problème logistique, et ça n'est pas nouveau pour nous, nous obliger avec les moyens du bord porter une réponse par rapport à ça qui a passé. Et à cet effet, nous avons discuté sur la question de l'inspection des véhicules. Que responsable circulation pour avoir une chance pour lui porter beaucoup plus de précision sur lui. Et rien que le mois dernier, on a eu deux rencontres avec une commission présidentielle au Palais National sur la question d'inspection des véhicules. Et là-dedans, il y a deux ou quatre de la PNH, dont l'inspecteur général Jean-Yunel Drissil et le directeur de la circulation qui est en dedans commission ça, qui travaille sur la question. Nous intéressons tout à la question de la signalisation routière. Et ça, lui-même, la police d'initiative PACAFEL, lui supposé travailler en étroite collaboration avec l'autre acteur qui concerne la question, hein? Municipalité, travaux publics, etc. Et là encore, il y a des démarches qui sont en cours, il y a des travaux qui sont en fait dans la question de ça. Freiner un ensemble de pratiques pour que dans chaque commissariat en province ou en direction départementale, il y a des autorisations qui sont bâillées pour machines de sécurité sans place. Les départements sans pas besoin de citer au niveau joint machines qui sont bâillées au Paris de la nuit. Et si vous sortez pour sanctionner ou capter un problème, parce que vous demandez implication de toute autorité. Ensemble d'accidents de circulation que nous avons enregistrés ces deux dernières années. Et ça fait environ 4 jours que nous avons rencontré avec tout responsable de circulation dans la zone métropolitaine. Parce que je rappelle que la circulation, le coco, il y a une couverture nationale côté que le directeur de circulation il y a chaque point d'ancrage pour toute direction départementale, il y a des informations à partir de lui-même. Donc ceci dit, si on est dans l'ouest, il y a un contrôle département de l'ouest, là. Il va y avoir un contrôle de l'Artibonite, c'est le directeur départemental de l'Artibonite, il y a un contrôle de circulation de l'Artibonite. Donc c'est ça qui constitue, c'est ça qui fait que moi-même comme DCPA qui a contact avec toute direction départementale, nous avons une approche beaucoup plus technique sur la question. Parce que l'approche que le directeur de circulation a gagné là, je veux dire, pour la zone métropolitaine, c'est pas les mêmes qui gagnent dans les villes de province. Donc ceci dit, c'est différent. C'est une raison qui fait. Et le NAPGA des questions de circulation, il n'est pas nous-mêmes seulement. Matin, on va nous venir là, Matissan débloqué. Jusqu'à dire qui ça, c'est parce que tout simplement il y a de l'eau, il y a la boue,
et policiers n'ont pas gagné accès pour réguler la circulation correctement. Pour cela, nous avons besoin ensemble d'acteurs qui pour faciliter nous gagner une circulation qui est beaucoup plus fluide. Donc nous avons besoin, j'en ai déjà dit tout à l'heure, le ministère des Travaux publics qui l'a pour aider nous en question de signalisation routière. Parce que nous n'avons pas gagné assez de policiers. Au total, nous gagnons environ 600 policiers pour la zone métropolitaine, pour la circulation. Pour nous faire jalonnement sur toute route là, c'est très difficile pour nous et pour nous couvrir les deux routes nationales, numéro 1 et numéro 2. Donc pour nous faire ça, nous avons besoin d'un effectif qui est assez élevé pour nous faire ni 1 ni 2. Donc pour cela, nous obligés, pour éviter question de circulation, pour accident de circulation, nous obligés de gagner la police routière que le directeur de circulation fait mettre sous pied, qui parfois, à la route nationale là, qui pour gérer dans le cas contraire, route et zone métropolitaine totalement bloquée. Donc on a parlé de question de circulation, de fluidité sur circulation. Mais en termes d'accident de circulation, est-ce que c'est la police seulement qui est impliquée? Non. On a dit que la police, c'est un élément. On a dit travaux publics. On a dit mairie, j'en ai juste dit tout à l'heure. Et on a dit c'est la police. Et nous avons sénateur. Est-ce que je vous dis, nous avons parlé de comment nous. Déjà, je parle de comment nous émettre permis de conduire. Est-ce que je vous dis un tout, nous avons posé une question sur le permis de conduire, même que nous gagnons même dans le pays. Parce que le permis de conduire, nous gagnons, je veux dire, sur le cas des pôles, on va remarquer que ce n'est pas toute information qui complète là-dedans. Adresse soit va changer, visage ne va pas changer sous lui. Donc, ceci dit, n'importe qui monde capable de dupliquer le permis ça. Et les policiers n'ont aucune possibilité pour vérifier est-ce que le permis est vrai ou faux. Le changement directeur de circulation à tout DG DCP n'a pas qu'à faire pour contrer son l'autre entité pas aider l'autre SMCRS. L'autre la saline là. On met le col à la roue là. Faut me venir même 50 à 60 policiers pour mettre sur la saline là chaque 3h du matin pour empêcher ma chambre de prendre la rue. Est-ce que nous ne pouvons pas trouver une solution pour ça? Est-ce que nous ne pouvons pas trouver une clôture, un bagage quelconque pour nous taffer sur la saline? Chaque 3h du matin, même pas je me dormir. Je ne vais pas vous mentir. Nous avons un job là et la circulation sous Paris ou pas qu'à faire. Il faut remettre la circulation pour faire la circulation. Pas de route. Donc, même si j'ai 1000 policiers, le job là n'est pas efficace. Pourquoi? Les policiers qui passé, les policiers qui ont campé dans le cafon, ils ont checké. Mais les gens qui ont bloqué, automatiquement ils ont quitté le cafon bloqué. Ils ont checké. Les policiers qui ont fait un marée net, pas de sémaphore. Depuis pas de sémaphore. C'est que le travail de police là, tant que la même chose, on a campé seulement en bas de l'humain, on a fait un travail. Et puis l'humain a travaillé. La machine a venu légal, on m'a prêté. Mais quand on est obligé à faire la circulation, même les machines illégales paraissent sous moi, je ne peux pas quitter tout le monde pour la situation qui a fait un bloqué. Également, on a parlé tout à l'heure, le premier soir dit, on va parler de signalisation. Tant qu'on est, moi j'ai un radar. Est-ce que le radar, ça me dit, on peut mettre en application? Non, je ne peux pas mettre en application, par une pièce panneau sur route nationale. Quand on dit que personne ne sait pas le faire. Les condamnations sont crises. Je vis une situation honorable, tant que Jean DCP à son tour, tout autant, nous pas penser pour nous faire permis en l'autre Jean. Contravention, les par exemple, les policiers ont baillé contravention, ils ont déchiré qu'on a là, tape tout à l'heure. Même côté, les policiers ont reçu des menaces. Ça, c'est une. Mais, je ne parle pas si nous ne faisons pas une formule tout. Moi-même, comme directeur de circulation, là on est en condamnation pour la quantité de monde qui a demandé un permis. Il faut nous faire permis en façon. Oui. Faut nous faire permis en façon. De quoi? Là, on est en condamnation en libre net. Et puis là, ça l'a prôné la faire précaution. Pour ne pas prendre même condamnation, ça encore. Ou du moins, pour ne pas faire condamnation. Là, on a un numéro 4 électoral là. Pour qui ça? On a ici pas qu'un numéro 4 électoral avec un point de ligne seulement.
un seul numéro valable pour tout ça la régler. On haïtien seulement gagne n'importe 4 numéros. Donc là, moi, je parle avec la femme qui n'a pas de 5 numéros, numéro police, numéro licence. Pour qui ça, 4 électorales n'a pas servi pour. Oui, de référence. Son façon pour donc faciliter les choses. On seul voit. Voie directe de circulation seulement, pas qu'à faire tout le bail. Honorable, pas oublier, circulation c'est la vie. Là, on a parlé de circulation. Et quel que soit ce qu'on va faire, circulation la donne. Circulation, c'est la vie. Si nous commençons à faire bagage ça, nous commençons à légaliser bagage. On est en contravention pour prendre des chances permis. On est en pile contravention qui paye des GI. Mais je vois des circulations qui ont des raisons d'état. Je n'ai pas de droit de dire. Mais il y a des bagages tout pour un chauffeur qui a ou ballon contravention aujourd'hui là. N'importe qui l'a soulevé pour une petite visite. Femme qui n'est pas deux. À 300, bon, on m'a dit 300 000 euros, permis qui double. Et yo, il fait yo. Circulation, paf, pour effectuer des licences. Nous-mêmes, nous délivrons le premier permis, c'est problème dans ça. C'est une séance de travail qui gagne entre la commission justice là, avec le directeur général de la police là, qui est accompagné du directeur circulation et police routière là. Qui est accompagné de DCPA, DCPJ, parce que je dis à noter, vle, ouais, avec autorité de police, question accident que nous connaissons, dernier jour, ça y est, qui a mis de l'eau dans une bonne famille, qui a décapitalisé une bonne famille. Nous tous connaissons, pendant la période estivale, là, sur route nationale, nous avons retourné, nous avons enregistré accident. Dernier information qui fait une quoi en un mois que 15 jours, soit du 29 juin au 5 août, nous avons enregistré en Haïti près de 61 personnes qui mourent, alors que blessés ont plus que 200, des machines qui écrasées, des personnes qui sont handicapées. Nous constatons chaque week-end sur la route nationale. Dans pile accident. C'est ça que fait. En premier temps, nous avons écrit président, nous avons écrit directeur général de la police. Ils ont une lettre pour demander avec troupes dans des CPR pour avoir plus de présence policière sur route capable de faire prévention. Mais en un second temps, nous avons décidé de faire une séance de travail avec eux pour nous connaître qui ça problème yo lié qui fait plus gros criminel la journée. Les accidents de la circulation. Mais on a parlé d'accidents de circulation, on a parlé des machines qui ont fait accident, on a parlé de motos tout qui ont fait accident. Car il y a des centres hospitaliers, dans le nord par exemple, dans Justinien, ils ont tout fait gros chambres, ils ont quitté là, ils ont dit chambre ça, c'est chambre motocyclette. C'est les gens qui ont cassé pied, ou bien qui ont cassé pont, qui ont bloqué rien dans l'accident motocyclette. Pendant ces travail, nous avons arrivé en pile problème que les responsables de police ont fait face avec. Par exemple, des questions faux plaques, sans plaque, monde qui a circulé sans plaque, monde qui a permis, mais qui s'est faux permis, monde qui a permis, qui s'est permis qui dupliqué, côté yo qui était bon permis en main la police, mais a tiré en dedans des directions générales des impôts, nous jouons une question contrôle et qui doit exercer sous conducteur yo qui compte parfois gagner des relâchements par le fait que service là pas un service qui nationalisé direction centrale police direction circulation pas en direction centrale. Maintenant il prend des engagements avec nous pour nationaliser et service circulation qui permettent dans chaque département une représentation de direction de la circulation qui a fait travail ça que yo même y a fait dans l'aire métropolitaine. Sommet Jean Risséan fait des paupières ce vendredi devant Sénat et également devant Chambre députée. Mais avant des paupières là, la conférence des présidents, le Sénat de la République
les membres de l'Assemblée avaient décidé par rapport à la fête Notre-Dame qui, presque dans tout département pays, n'a pas organisé séance mardi dernier et mercredi. Pour la simple bonne raison que Notre-Dame n'a pas eu au Cap, n'a pas eu au Tigua, n'a pas eu au Cap, n'a pas eu au Anamet, n'a pas eu au département. Donc avant même de pour ça, il a été décidé au niveau du Sénat de la République que mardi et mercredi, pas la gagner séance. Donc, en deux conseils avec le président, depuis ce matin, on a lancé l'invitation aux honorables sénateurs avec une programmation qui, en première position, que nous travaillons sur la formation de la commission spéciale, alors qu'il était prévu, maintenant, c'était le vote du budget rectificatif. Comme le budget rectificatif n'est pas encore voté au niveau de la Chambre des députés, donc nous allons taber sur la formation de la commission spéciale en Assemblée.